index main gauche, troisième corde, deuxième case, qui est joué deux fois par l'index main droite. Deuxième corde, troisième case, index main gauche, qui est joué par le pouce de la main droite. Quatrième corde, cinquième case, annulaire main droite, qui est joué deux fois par l'index de la main droite. On laisse l'annulaire de la main gauche là où il est, on va relever l'index de la main gauche, qu'on va le placer sur la première corde, troisième case, le pouce qui vient jouer, et à ce moment-là, on va simplement déplacer l'annulaire de la main gauche sur la quatrième case de la quatrième corde. On la joue deux fois avec l'index de main droite. Troisième corde est vide avec le pouce de la main droite. Quatrième corde, deuxième case, index main gauche, qui est joué avec l'index de la main droite. Une fois, deuxième fois, et au bout de la deuxième fois, on va relâcher l'index de la main gauche. Deuxième corde, troisième case, on va placer le majeur, le pouce qui vient jouer, quatrième corde qui joue à vide, deux fois par l'index de la main droite. Deuxième corde, deuxième case, index qui joue par le pouce. Troisième corde, quatrième case, on va placer l'annulaire, index main droite qui vient jouer. Et à peine qu'on a joué la note, on va tout de suite faire un mur sur la troisième corde. Cinquième case avec le pied doigt. Ok. Une fois qu'on est là, il faut aller très très vite. Hein. On va relâcher le pied doigt et on va recommencer à faire deux hammers de suite. On ralentit. Troisième corde, première case, index, main gauche et index main droite qui vient jouer. Troisième corde, deuxième case, majeur et index qui vient jouer. Voilà. Donc on a presque terminé l'intro. C'est déjà pas mal. Suite au prochain numéro. Ciao.